Pause déconne. Pause déconne. Pause déconne. Il est un peu toc-toc celui-là. Salut les youtubeuses, salut les entubeurs et surtout salut les déconneurs. Hein. C'est parti pour la pause déconne numéro 3 avec de tout et du n'importe quoi. Et plus que jamais, du n'importe quoi. Confiné, soit, mais dans la bonne humeur. C'est parti, on y va. Youh ! Le coronavirus. Rien que le nom, ça sent la mise en bière. Pas bon, ça. Pas bon. Hey Paris, quand un virus fleurit, ça fait pendant des semaines des cœurs qui se meurtrient. Mais Hidalgo, elle aime, tu paries. Hey. Je remercie Yves Montand pour ce magnifique hommage. Bonjour à tous les Parisiens et bonjour à toutes les Parisiennes. Et oui, c'est bien moi, l'âne. L'âne Hidalgo, merci. Je voudrais vous annoncer la création de la SPV, la Société Protectrice des Virus. Pourquoi veut-on tuer à tout prix mon petit Covid-19? Hein, voilà 10 ans que j'essaie de supprimer les bagnoles dans Paris et lui, il a réussi en moins de 3 semaines. Laissez-le vivre, bon sang. Je suis toujours parisienne, quelle des veines, encore pour un bon bout de temps, c'est navrant, c'est navrant. Ah oui, c'est navrant, oui. Oh putain, t'as raison, alors là, c'est navrant, hein. moi, depuis que je suis confiné, hein, eh ben, je sais plus quoi branler. D'ailleurs, j'en branle plus une. pas comme chez Denise, hein. Et je fais des vidéos, ouais, pour passer le temps, avec mon petit téléphone portable. Tiens, regarde, je vais te filer un exemple, c'est magique. Patrick Calabra. Hop. Putain, t'as vu, je me suis fait la tronche du coronavirus. Hey. Putain, c'est bien foutu, hein, avec ce que j'avais sous la main, hein. Oh putain, 2 heures de maquillage. T'as vu les détails? Eh, on croirait le vrai. Non, j'arrête de déconner, allez. Hop, Patrick Calabra. Hop. Oh putain, et t'as vu, je suis rapide au démaquillage, hein. Et oh, par contre, à cause du confinement, les gonzesses, ça commence à me manquer, hein. Bah ouais, ah bah, je suis obligé de faire avec ce que j'ai sous ma fenêtre, hein. Et crois-moi, mon chéri, c'est pas la fête à Windows, hein. Eh, même si ça sent le virus. Qu'est-ce que je vais mater du fond de mes pénates, ma grosse voisine, qu'est-ce que je vais mater du haut de mes pénates, ma grosse voisine qui est moche et qui a du poil aux pattes. Hé, hey, Ginette, ça va Ginette? C'est ma voisine, on l'appelle Ginette parce que c'est la perfection masculine. Oh putain, les poils, et ça pousse vite, hein. Eh, hey, ils sont sympas, tes barésies. C'est pas ses barésies, c'est ses poils. Eh, hey, que de l'amour et que de la poésie, hein. Bon, ça suffit maintenant, il faudrait être un peu sérieux, hein. L'heure n'est pas à la rigolade, hein. Je suis sur le point de fermer ma pâtisserie. Alors je veux lancer un appel solennel au gouvernement. Assez de ministères inutiles. Je demande que l'on crée immédiatement un ministère des rognons sauce madère et un ministère de la tête de vos ravigotes. Hein? Je demande aussi la création d'un secrétariat d'état du slip kangourou et un autre du bœuf à la ficelle. Et tous les jours, à 13h47, tous à vos balcons en brandissant un slip kangourou et en hurlant « Ah, bah, le string à la ficelle, vive le bœuf à la ficelle, vive le slip kangourou, ah bah la base de Kourou !» Hein? Quoi? Comment ça c'est nul? Bah oui, mais c'est pas pire que Mercotte, hein? Oh la vache! Ah, il nous a encore fait une huître! Mercotte, merde! Ah bah ça y est, on a la douzaine, hein? Salut
salut mes cocos. Hein? Bah oui, c'est la veuve de Champagne. Voilà, c'est ça, c'est la veuve Clito. Et dites donc, elle est confinée, mais pratique, la veuve. Aujourd'hui, comment fabriquer un sextoy, hein? Alors, bah oui, pour chasser l'ennui. Alors, c'est facile, alors vous allez me prendre une belle courgette, hein? Voilà, comme ceci, hein, bien membrée. Et puis, vous prenez avec ça, vous prenez deux tomates. Voilà, hein? Vous la voyez bien? Voilà! Voilà, ça c'est beau, ça. Puis avec ça, vous allez me faire une belle ratatouille, hein? Ah ben si, vous allez me faire une belle ratatouille. Si, vous allez... Tiens, Renato! Hey, viens voir un peu par ici. Hey, il y a une grosse légume, bien juteuse, tout excitée. Allez, je vous laisse parce que là, je sens que j'ai de l'huile sur le feu. Hein? Non, pas sous le feu, sûr. Enfin, sûr. Ratatouille, claustello, bibolillo. Ratatouille, stirulirulo. Ratatouille, staustirulirulo. Ratatouille, stirulirulo. Ratatouille, staustirulirulo. Ratatouille, stirulirulo. Ratatouille, stirulirulo. Ratatouille portugais, ratatouille au bacalao, avec de l'huile, plein de l'huile partout, avec des poils tout autour, j'coule de ratatouille sta stirulilo lilo, ratatouille stirulilo lilo, ratatouille sta stirulilo lilo, ratatouille stirulilo lilo. En confinement, tu as le temps d'entrer en réflexion avec ton toi profond. Ah non, mais si, je suis désolé. Et alors, tu peux partir loin, mais alors très très loin, avec des analyses philosophiques poussées à donf. Tiens, par exemple, depuis des milliers d'années, les poules pondent des œufs. Mais le plus énorme, c'est qu'elles n'en ont jamais cassé un seul. C'est sidéral, non ? Non mais tu te rends compte, elles n'en ont jamais cassé un seul. Ah oui, mais alors là évidemment ça compte pas parce que ma poule à moi elle est complètement fêlée. Ça c'est pas énorme. Oui, téléconsultation, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Dites donc, depuis le coronavirus, je fais pipi de la mayonnaise. Que me conseillez-vous? Ah ben, des œufs durs. Ah bon? Ben, je vais téléphoner tout de suite à Yves Lecoq alors, hein. Téléconsultation, bonjour. Oui, bonjour mon chéri, c'est Tata Suzanne. Ah, bonjour Tata. Ça va, tu vas bien? Bah, depuis le virus, tonton Maurice a des vers. C'est normal? Quoi? Ben, s'il bouge plus depuis 3 semaines, c'est qu'il est mort, tata, hein? Ben oui, c'est normal. Ben, sinon, faut lui donner du vermifuge, hein? Non mais, tu te rends compte? Des vers! Ben, j'espère qu'il est pas devenu écolo! Ben, il était déjà alcoolo. Écolo? Hein? C'est rigolo, hein? Tu verras que bientôt faudra une attestation pour aller pisser. Tu verras. Macron, il a dit qu'il allait nous aider pendant le confinement. T'as vu quelqu'un, toi? Moi non plus. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, salut, c'est Gérard. Oui, GG, si tu préfères, si ça te fait plaisir. Allez, GG, oui. Tiens, je vais vous aider dans le confinement, hein, en vous chantant une chanson d'Aya Nakamura, hein. Attention. 3, 4.
Hein, c'est pas bon ça, hein, c'est pas un tube, c'est pas un tube qui est loin de sortir son trou ça, ça fait bien chier, hein. Non? Eh ben si, ça fait bien chier, hein. Et encore, je vous montre pas mon froc, ça ferait ton sur ton avec son disque. Oh, à quand les slips en vinyle? Oh, elle est où ma Barbara? Elle est où ma Barbara? Eh, moi pour toi, Tchétchéo, j'ai pour faire Barbara. Barbara papa même. Eh, Barbara papa, Barbara mama, je peux tout faire, écoute. Un beau jour, ou peut-être une nuit à Ouéouche, dans les bois, je t'avais tirouli-rouli-roula, tirouli-lo, tirouli-rouli-lo, tirouli-ro, tirer-rouli-lo, tirouli-rouli-rouli-rouli-lo, tirouli-ro, tirer-rouli-lo. Oh, tu me les casses, toi, le travelot, tiens. Bon allez, c'est déjà trop pour aujourd'hui, hein. Alors si ça vous a plu, cliquez-moi un pouce comme ça juste en dessous, ça m'encouragera pour ma prochaine vidéo, et puis partagez sur les réseaux sociaux en attendant de nous retrouver dans les salles de spectacle avec mon one-man show Imitatueur. Voilà, à bientôt pour une nouvelle pause déconne, restez confinés, et par-dessus tout... merci soignants, d'être là, de travailler pour nous, on reste en vie grâce à vous. Merci soignants, tout ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra. C'est la fin. Pause déconne. À bientôt.